Allez, bonjour et bienvenue sur universimu.com. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'Airport Sim. Il y a la démo qui vient d'arriver là, à l'occasion du NeoFest hein, du 6 au 13 février. D'ailleurs, je vous conseille de la télécharger et de la tester très rapidement, cette démo, parce qu'après, elle va disparaître. Donc, Airport Sim, c'est un jeu qui vous met dans la peau d'une personne qui va faire la manutention au sol des avions. Moi, j'y connais rien du tout, que ce soit en aviation de manière générale ou au sol, c'est encore pire. Je vous propose qu'on parcourt la démo ensemble. Je ne sais pas combien de temps on va durer le let's play, mais on va regarder un petit peu ce que le jeu a dans le ventre. Il a l'air beau, c'est déjà ça, donc on va aller voir un petit peu si il n'y a pas que la beauté, qui a également un gameplay qui est plutôt satisfaisant. Bon, on m'a déjà prévenu qu'il fallait mettre un casque anti-bruit parce qu'il paraît que ça gueule vachement fort. Allez, on regarde ça. Allez, nous voilà en jeu, paf. C'est parti, continue. Donc là, ben, un petit avertissement qui nous dit quand même attention, c'est du pré-alpha, quoi. C'est vraiment, ils nous ont lâché la démo uniquement pour l'événement Steam, parce que bon, c'était un peu risqué de leur part, mais en même temps, c'est très bien parce que la démo, je la trouve plutôt sympa. Alors moi, j'ai fait le tuto déjà, qui nous laisse assez de liberté quand même, mais qui est tout scripté. Je vais aller faire un nouveau jeu plutôt que de vous montrer le tuto, comme ça, parce que dans le tuto, en fait, ça parle. Je vais aller plutôt dans un nouveau jeu. Vous aurez la même chose, mais sans les indications de tuto. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, trois modes de jeu. Au passage, on voit que le jeu est multijoueur. Il sera multijoueur, en tout cas. Ce qui est pas mal. Parce que vous allez voir toutes les actions qu'il y a à faire. Bah, plus on est de fou, plus on rit. Hein. Moi, je veux bien un petit coup de main aussi pour aller décharger les bagages et des choses comme ça. Allez, on va se mettre en scénario à Vagar. Il y a un avion qui va arriver. Le temps qu'il arrive et qu'il se parque, je vais aller vous montrer un petit peu le matériel. Alors, je vous préviens, au niveau des oreilles, ça fait mal. Ça fait un peu mal aux oreilles. Et j'ai baissé le son à fond pourtant, hein, mais purée, quand il y a un avion qui arrive, waouh! C'est assez fort. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Donc là, l'avion va arriver en bout de piste là-bas, il va venir, il va se garer par ici. Nous, on va lui mettre des cales de roues, on va sécuriser la zone avec des plots. Et ensuite, on va commencer à aller prendre le matériel qui est là-bas. Pour la première chose à faire, c'est de connecter l'avion à un groupe électrogène pour qu'il puisse être autonome en termes d'énergie. Et puis que surtout que le pilote puisse tout couper les moteurs et arrêter de cramer du gasoil à du kérosène au niveau de l'avion. On va monter là-dedans. On va se mettre en vue extérieure. Hop, je vais peut-être allumer le moteur. Voilà, on y va. Et alors là, c'est pas Farming Simulator, il faut descendre. Hop. Ah, il y a l'avion qui arrive. Attention vos oreilles. Il est au fond là. Il est où? Il est là, il arrive. Ok. Nous on va raccorder ça et puis on va se préparer. Alors je sais pas où est-ce qu'il va se parquer, je pense par ici. Je vais me mettre là. Vas-y, viens. Roger, amène-toi. Il y a de la place là. Attends, on va prendre ça déjà. On va le laisser manœuvrer et on va surtout le laisser couper les réacteurs. Ça fera déjà beaucoup moins de bruit. Moi, bon, l'aéroport est bien fait, hein, sinon. Hein. C'est un petit aéroport. Hein. C'est bon? Ok. Allez, cale de roue. Hop.
Alors là c'est un peu chiant, faut faire plein d'aller-retour. Je suis pas sûr que ce soit très safe hein, de se pointer devant le truc comme ça. Hein. Ouais. Alors si vous voulez faire moins d'aller-retour, vous pouvez faire ça. Tu charges et paf. Ouais, vas-y. Allez, démerde-toi là. Tu vois, t'es en multijoueur avec tes potes là. Ouais, tiens, vas-y, vas-y. T'envoies les plots. Regarde, un peu loin. Attends. Ah mais ça évite de faire des allers-retours, tu vois, les plots sont un peu sur place comme ça. Oh putain, ça fait du bien quand il s'arrête son moteur à lui. Voilà, putain, j'étais presque hein, sur celui-là. Hein. Voilà, maintenant je vais pouvoir aller travailler. Tiens. Hop. Ah, attends, il est où l'autre? Ah, il est là. Ok. L'autre côté. Soyez pas pressé dans l'avion, hein. On va vous faire descendre. Hein. Attendez. Mais parce que c'est notre rôle aussi de les faire descendre, les gens. Avec moi, faut pas qu'ils soient pressés. Ah là 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 là, attends. Ok. Alors, on va aller raccorder en énergie l'avion. Ok. Alors, on va se mettre par là, on va descendre, on va dételer parce que de toute façon nous on a besoin de la voiturette là. Mais on n'a pas besoin de se trimballer le groupe électrogène tout le temps partout. On va le mettre en route. Tac, on démarre. Allez. Ok. Non, il part pas. Putain merde, le moteur est froid. Allez, 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 c'est bon, ça part. Faut attendre qu'il monte un peu en température. Alors c'est très rapide hein. Très très rapide et une fois qu'il est en température on va aller le raccorder à l'avion. Bon, je pense que ça doit être bon là, fais voir. Tac, ok, c'est raccordé, tac, ok. On va envoyer le jus. Ok, donc là il est autonome, ça roule. Maintenant on va aller chercher, on va faire descendre nos passagers quand même. Ce serait bien. Alors, en espérant que ça marche, parce que là, j'ai des gros problèmes de script, en fait, ça déconne. Ça déconne très souvent. Je l'ai fait plusieurs fois, hein, là, mais à chaque fois, je restais coincé sur le script où il faut se pointer. Hop là. Allez, on va se mettre en vue extérieure. Et normalement, donc il dit quand tu te pointes, quand t'es pas très loin, tu mets en vue intérieure. Donc là, il y a un voyant rouge qui est allumé. Il faut qu'il soit vert clignotant pour dire que t'es bien. Allez, vas-y, tout doucement, tout doucement. Là, ça clignote, t'appuies sur entrée. Et ça marche pas. Il veut pas le monsieur. Allez, connecte-toi. Ça y est, tac, c'est bon, c'est vert. Il fallait sortir les ancres d'abord. Donc là, je descends. Je vais aller là-haut. On va ouvrir la porte de l'avion. Et on va aller mettre. Une fois que c'est terminé. Ok, là on vient mettre les petites rambardes, tu vois, pour pas que les gens se cassent la gueule. Ok. Donc là, la partie passager, c'est ok. Maintenant, on va falloir s'occuper des bagages. Alors les bagages, il y a deux soutes. Il y en a une là et une derrière là-bas. Et là, il va falloir aller chercher le convoyeur qui est là-bas, plus un petit chariot de transport.
Alors tu vois, en multijoueur, là, ça peut être sympa. Tu vois, tu mets un chariot sur la soute arrière, un autre sur la soute avant. Je sais pas jusqu'à combien on pourra jouer. Jusqu'à combien de joueurs? Bon, pour l'instant, je vais prendre ça. On va hop, se mettre en vue extérieure. On va l'allumer. C'est dommage, il n'y a pas de pilote. On nous voit pas, nous, en train de conduire. C'est dommage. Peut-être sur la version finale, ils vont faire. Je sais pas. Et alors là, on va rigoler. Vous allez comprendre pourquoi vos bagages, ils arrivent dans un sale état, des fois. Attends, on va monter. Hop, 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 là. Attends. On va monter ça. Vas-y, rentre là-dedans, toi. Ouais, t'es pas trop mal, là. Vas-y. Attends, c'est quoi pour mettre en route le convoyeur? Y. Ok. Et là, on peut déjà dire à nos potes de venir décharger. Hein. On fait un petit appel radio. Eh oh, les mecs. Est-ce que vous pouvez... Ouais, voilà. Vas-y. Et nous, en attendant, on va aller chercher d'autres, là-bas. Il y aura un gros tas par terre, sous la flotte, c'est pas grave. Les gens gueuleront et puis voilà quoi. J'arrive, hop. Les petits bruitages à l'intérieur là de la cabine, c'est pas mal là. On entend que ça vibre de partout. C'est rigolo. Oh merde, le carnage. Ah, ils m'attendent pas, les gars. Hein. Ils m'attendent pas du tout. Hein. Bon, on va essayer de faire un truc bien. On va essayer de faire un beau rangement. Ça se range pas tout seul. Hein. Et je peux vous dire que vous pouvez même en perdre en route. Quoi, c'est tout ce qu'il y a? Ah merde, il y en a une de coincée. Oh, chiotte. Attends, je vais la chercher. C'était très réglementaire d'aller sur le convoyeur, mais niveau sécurité, c'est pas mal ça. Quoi, c'est tout ce qu'il y a? Non. Bon, attends. Pas possible. C'est pas. Allez, on va aller faire. Alors, on va éviter de passer sous l'aile. Hein. Normalement, s'il y a des plots, je suppose que c'est pour dire que faut éviter de faire les cons. Je vais me mettre par là, hein. Je vais chercher le convoyeur, hop là. Le mec s'amuse à drifter avec ça. Doucement. Ah, attends, c'est un peu plus haut là, non? Je suis dedans là? Ouais, c'est bon? On appelle les copains? Bagage arrière, vas-y. Ça y est, c'est parti. Vas-y, donne. Il y a même des étiquettes, eh. Là. Moi, c'est le côté qui m'amuse, moi, dans ce jeu. Ça paraît con, mais... Qu'est-ce que t'as retenu dans le jeu? Oh, bah, les compartiments, la soute à bagage, c'était rigolo. Bon, par contre, là, les mecs font de la merde. Eh, hein. Les gars, attendez. C'est pas à moi de monter sur le convoyeur, normalement. Hein. Là, il y en a un qui traîne, là. Hein. Non. Oh, le con. Oh, le boulet. Bon, là, non, mais là, il y en a un, en fait, là. Là, tu le vois pas, mais il y a un bagage. Je fais comment pour le prendre? Non mais c'est bugué. C'est mort en fait. Ça va être mort. La mission va être un échec à cause de ça. Je sais pas si tu te rends compte. Je peux pas me baisser? Non? Y a pas une commande? Bah non, y a même pas de commande pour se baisser, non? Touche mage, je sais pas, non? Non, y a que dalle.
Bon, alors attends, on va essayer un truc. Eh, bouge pas. On tente un truc. Je sais pas si ça va marcher, mais... Ouais! Yes! Bon. Apparemment, il n'y a plus rien, de toute façon. Ah, je vous ai dit, hein, si vous retrouvez vos bagages abîmés, c'est pas pour rien. On va remettre là-dedans, quand même. C'est bon, vous avez fini, les gars? On peut charger? C'est vrai, il n'y en a pas trop. Dans le tuto, il y en avait plein, mais tellement que j'ai pas réussi à tout charger, j'ai tout foutu par terre. J'en ai perdu sur la piste. Là, ça va, là. C'est gérable. Bon, je vais revenir faire tout ça après. Hein. Là, déjà, je vais aller... Les gens sont pressés, vous savez comment c'est. On vient d'arriver, le premier truc qu'on veut, c'est déjà récupérer sa valise et se barrer, quoi. Bah, là, c'est un peu ça, donc on va essayer d'aller satisfaire nos usagers. Où est le tapis convoyeur? Il est là-bas. Ça va mal là, hein. Ah, j'ai éteint le moteur. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Comment on allume ça? Tac, voilà. Et là après, eh ben là vous faites votre vrai job. Faites du lancer de valise. Ouais. Y'a quoi dedans? Vous avez laissé votre ordinateur portable? Ah merde. C'est dommage. Vous avez pris le bris de glace, j'espère. Ah, j'entends un avion qui est en train de repartir. C'est pas le mien, j'espère. Non? C'est pas mal parce qu'il y a de la vie dans l'aéroport. Oh merde! Oh merde! Oh crotte! Je savais pas qu'on pouvait ouvrir. Oups! Oh, j'ai volé des trucs. Oh crotte! Attends, faut que j'essaye un truc. Si je prends ça et que je la balance contre le mur. Non? Vas-y. Oui, vas-y. C'est quoi, un bouquin? Attends, referme, on n'a rien vu. Attends, mets-la plus loin. Y'a quoi là? Oh, un téléphone portable, des livres. Non, c'est bon, j'ai tout pris. Mais attends, mais c'est quoi ce jeu de malfrat là? On peut voler des trucs? C'est moche. C'est moche. Bon, on va se casser, hein. J'ai rien fait, moi, monsieur l'agent. Eh, pas vu, pas pris. Allez. Je vais aller ranger ça. Maintenant, il faut... Bah, il faut tout ranger, je pense, pour finir le scénario. Je crois, hein, je suis pas sûr. Hein. J'ai jamais terminé un scénario complet parce que à chaque fois, j'ai eu des bugs de script. On a intérêt de ranger ça bien, hein, parce que ça reste là où on a pris. Hein. Mais du coup, je fais comment pour le générateur? Je laisse ça comme ça ou ça se passe comment? Parce que tant qu'il part pas... Bon, attends, je vais peut-être juste enlever le convoyeur et puis fermer les soutes. On va peut-être, hop, ranger ça. Voilà. Ferme les sous peut-être. Il n'y a pas un passager clandestin qui décide de rentrer dedans. Après, je sais pas comment faut terminer la mission, les gars. J'en ai pas terminé une encore. Est-ce qu'il faut juste rentrer ce truc-là?
faut peut-être récupérer l'escalier, non? Quand même. Bah, le minimum syndical, quoi. Tout le monde s'est barré. C'est pas à moi de fermer la porte, non? Si, c'est à moi de fermer la porte? D'accord. Je peux repartir avec et tout? C'est sûr. Alors, attends. Ok, donc là, j'ai déconnecté. Je vais rentrer les ancres. Y. Ouais, c'est ça. Et on peut s'en aller, alors. Mais le générateur, je le laisse ou pas? Bah, j'en sais rien. Attends, on va aller... Juste pour voir, je vais aller voir. Monsieur l'agent? Non, écoute, j'ai plus rien, là. Hein. Je fais quoi? Échappe? Non, non, y a rien. Y a rien qui me dit que la mission est terminée. Parce que le scénario, en fait, le scénario de tuto... Quand on avait replié les bagages, tout ça, c'était bon. Il n'y avait plus rien à faire. J'ai peut-être tout déconnecté, non? C'est quoi qu'on entend? Qui c'est qui est en train de remettre les moteurs, là, et repartir? C'est pas celui-là quand même. Oh merde. Attends, attends, laisse-moi... laisse-moi ranger quand même. Non mais en vrai, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de repartir le truc là. Non. Bon, je pense que je fais... Oh merde, j'ai oublié de fermer la trappe. Bon, allez, je laisse ça comme ça, hein. Bon, j'ai pas la fin du scénario, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire, donc... m'en voulez pas, hein. On verra quand le jeu sortira. Bon, hé! Oh, maman, mes oreilles! Ah! Bon, il faut que je fasse le deuxième, donc, bah, même sort, hein. En gros, on va chercher tout le bordel, on fait descendre les gens, tout ça. Hein? Vous avez compris le truc, je sais pas s'il y aura d'autres tâches à faire. J'en sais rien. Je sais pas s'il y a une liaison avec d'autres personnels, une tour de contrôle, je sais absolument rien d'autre. Pour l'instant, la démo se limite à ça. Profitez-en jusqu'au 13 février, vous l'avez, vous avez la démo. Moi, je trouve que le jeu est plutôt pas mal, il est posé, et surtout, mais surtout, surtout, si le jeu est multijoueur, ah, on va peut-être passer quelques heures à s'amuser dessus, quand même. Allez, moi, je vous laisse là-dessus, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour un autre test d'une autre simu dans le même cadre, hein, dans le cadre de l'événement Steam là qu'il y a en ce moment jusqu'au 13 février. On se retrouve dans pas longtemps, dans quelques heures. Allez, ciao, ciao tout le monde.